Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais vous un petit peu me présenter. Donc, je m'appelle Diane, j'ai 35 ans. Et depuis toute petite, je vois des couleurs. Donc, c'est des couleurs qui se dégagent des gens. Je les vois pas avec mes yeux, hein. C'est-à-dire que, vous savez, les vidéos YouTube où on vous explique que si vous mettez votre main comme ça sur une surface blanche et que vous utilisez votre vision périphérique, peut-être que vous allez voir des couleurs autour de votre main. Mais en fait, vous vous apercevez que si vous le faites avec un stylo, vous voyez la même chose autour. Donc, on se doute bien que l'aura de quelqu'un, ça dégage pas la même couleur et la même intensité que dans un stylo. Donc c'est pour vous dire que même les non-voyants peuvent voir les auras. Pour moi, même les chiens, les enfants peuvent le sentir. En tout cas, j'avais fait le test avec des enfants. Quand je leur posais la question, ils passaient un moment avec une personne qu'ils connaissaient pas et je leur ai dit voilà, si la couleur orange ça veut dire la joie de vivre et que la couleur violette ça veut dire qu'il est connecté au divin et que machin. T'as l'impression que les couleurs de cette personne, elles sont placées où sur son corps et elles sont sous forme de quelle intensité? Mais en fait, ils étaient parfaitement capables de faire un dessin qui représentait ce que moi je pouvais voir au niveau des auras. Donc moi, je suis persuadée qu'en fait, tout le monde peut le voir. Il y en a qui le ressentent plus qu'ils ne le voient, c'est-à-dire qu'ils vont pas l'interpréter sous forme de couleur, donc c'est une autre forme de synesthésie. Ils vont avoir plutôt de la clairaudience ou de la clairsentence. Enfin, de ressenti, ils vont avoir des frissons, ils vont avoir... En fait, ils vont utiliser d'autres sens pour pouvoir percevoir l'énergie vivante de la personne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on s'intéresse aux différents corps subtils, à force de s'entraîner de le faire, on va s'apercevoir qu'on accède à de nouvelles informations, comme par exemple l'état précis de la personne en termes de santé, les problèmes, les causes par exemple de certaines maladies. On peut aussi avoir comme information dans les auragraphes sur les causes profondes des blessures de la personne, donc des blessures qu'elle a depuis très très longtemps, depuis toute petite, les relations avec sa famille, avec ses proches, comment elle le vit, voilà, ça peut aller très très loin en termes de précision pour les informations. Et puis ça permet aussi de proposer des actions à faire pour que la personne aille mieux, qu'elle puisse s'harmoniser, qu'elle puisse être en alignée en fait avec ses besoins et sa vocation et trouver sa place en fait dans le monde, trouver un sens à ce qu'elle fait. Donc ça peut servir à beaucoup de choses en fait d'interpréter la lecture d'une aura. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Moi je propose des ateliers régulièrement pour aider les personnes à apprendre à le faire. Parce qu'en fait mon but c'est pas de passer la journée en fait à recevoir des commandes de gens qui veulent une lecture d'aura parce qu'ils veulent savoir à quoi ça ressemble. En fait moi ça m'importe pas particulièrement de faire ça si c'est juste parce que la personne elle est curieuse de savoir. Elle est curieuse de savoir à quoi ressemble son aura. Moi, c'est pas mon but. En fait, j'aimerais bien que les personnes puissent avoir un accès à l'autonomie par rapport à ça et puissent être capables de voir leur propre aura, de l'interpréter par eux-mêmes et de pouvoir travailler eux-mêmes cette capacité. Je suis sûre que tout le monde peut l'avoir, même si ils le voient pas de manière physique comme moi je le vois avec tous ces dessins que je fais. Chacun a sa propre manière de ressentir l'énergie et d'être connecté en fait à une forme d'intuitivité, d'instinct. En fait, les jeunes, ils ont déjà de base. C'est juste que quand on travaille son mental, le mental devient tellement fort et devient tellement contrôlant qu'à la fin, on perd un petit peu cette intuition. Dernier point que je voulais dire aussi, c'est pour ne pas confondre l'invention, c'est-à-dire l'imagination, l'invention, et la réalité de l'énergie que vous captez. En fait, c'est très simple. Pour être sûr que vous interprétez pas et que vous inventez pas et que ce que vous voyez, ce qui vient à vous, c'est une vraie information qui vient de la personne ou de ce que vous percevez. La différence, elle est très simple. C'est que si vous inventez, vous allez être dans le mentalisme, vous allez être dans la déduction logique de tiens, comme la personne, elle a des yeux pétillants, ça veut dire qu'elle est super joyeuse. Pas du tout, ça peut être elle est comme ça parce qu'en fait, en surface, eh ben, elle fait super attention et qu'elle est perfectionniste et qu'elle va essayer de bien paraître. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est joyeuse. Vraiment, ça peut cacher quelque chose. Donc, quand vous voulez voir une aura, par exemple, sur photo ou même si la personne est en face de vous, ne regardez pas la personne avec vos yeux. Moi, je vais vous expliquer une technique dès maintenant pour que vous puissiez commencer à vous exercer dès maintenant. C'est essayer de le faire sans voir la personne. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trahi par une illusion d'apparence sur ce que vous avez vu. Par exemple, vous pouvez discuter sur Messenger avec quelqu'un sur un groupe Facebook ou dans un forum. Vous parlez juste à la personne. Comme ça, vous savez qu'elle est en vie, d'accord? Donc vous allez essayer de, non pas deviner, mais vous connecter, envoyer une résonance avec l'énergie de votre cœur, parce qu'il faut savoir qu'on a plus de 40 000 neurones, 40 000 neurones, pardon, au niveau du cœur et plus de 250 000 ou même plus d'ailleurs. Après, je ne suis pas experte de la science, mais
On en a un certain nombre, ça sert pas uniquement à bien digérer ou à gérer le rythme cardiaque, ça sert à d'autres fonctions, et moi je suis persuadée que quelqu'un qui est non-voyant peut, comme je vous ai dit, capter des informations. Donc essayez de le faire sans utiliser de photos, et de vous connecter à cette personne que vous n'avez jamais vue, dont vous ne connaissez pas l'histoire et l'état de santé, et vous essayez, comme une chauve-souris qui utilise son sonar ou comme un sous-marin qui envoie de l'information, vous allez scanner en fait. Dans l'espace, donc vous élargissez votre champ de conscience, donc il faut faire de la méditation hein, pour savoir ce que ça veut dire élargir son champ de conscience. Donc je ne vais pas parler du champ de conscience dans cette vidéo parce que ce serait un peu long, mais vous élargissez votre champ de conscience, peut-être avec quelques séances préliminaires de méditation, et vous l'élargissez jusqu'à vous considérer que vous allez porter une attention légère, non pas se concentrer avec la volonté, il hein, ne faut pas utiliser la volonté, mais porter une attention légère sur la personne, sur votre cible. Donc vous allez envoyer une information du cœur et pas une information de la tête. Une information du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer de connecter votre énergie vitale, donc ce qui vous anime, ce qui vous met en mouvement, ce qui vous fait respirer, ça, vous envoyez cette information en résonance. Et après, vous vous mettez immédiatement en état de réceptivité. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous recevez, qu'est-ce que vous percevez lorsque vous portez une attention légère sur la vie, le cœur qui bat de cette personne, d'accord? Et ensuite, vous allez imaginer que il n'y a pas que son cœur qui bat, il y a aussi le sang qui circule dans ses veines, et puis il a des émotions, lesquelles vous écoutez votre oui intérieur, votre non intérieur, et vous recevez certaines informations. Et ensuite, vous le refaites. Donc vous re-renvoyez ça, vous re-recevez. Et au bout d'un moment, vous le faites, vous allez créer en fait quelque chose qui est tellement rapide en termes d'émission-réception que ça va créer comme une espèce de corde. Moi, je vois ça comme une corde dorée, c'est un fil d'or qui va vous relier à la personne, d'accord? Vous allez vous relier à cette personne. Et ce fil d'or, c'est une résonance, tout simplement, parce que tout est énergie. Imaginez que le vide, ce qui n'est pas du vide d'ailleurs, qu'il y a entre l'électron de chacune de vos cellules et, enfin, les électrons et l'atome, il y a, vous savez, une espèce de vide. Ben, en fait, c'est pas que du vide, c'est de l'énergie, en fait, ça peut être de l'électromagnétisme, ce que vous voulez. Ben, considérez qu'on est fait beaucoup plus de ça que de matière. Donc, en fait, quand vous envoyez votre champ de conscience, vous considérez que la limite de ce que vous êtes ne se limite pas à ma peau, et après c'est plus moi à l'extérieur de moi, mon champ de conscience il est au-delà de ce qu'on dégage de l'énergie, ça prend une certaine mesure autour de soi. Donc considérez que vous pouvez l'élargir à l'infini, d'accord? Et en fait c'est cette information-là que vous envoyez, et donc bah forcément comme vous envoyez une info, bah, ça rebondit sur les autres personnes, et ça va vous renvoyer des informations. Et c'est en fait c'est ça que j'essaie de matérialiser quand je vous l'explique, pour vous visualiser comment moi je crée une connexion avec des gens pour lire leur aura, que je n'ai pas leur photo, je leur ai à peine parlé sur Messenger, je sais pas la voix qu'ils ont, je sais pas leur prénom, je sais pas leur date de naissance, et pour autant, je peux dessiner des choses comme ça, d'accord? Je peux dessiner des choses comme ça. Alors que la personne, je vais parler 4 minutes, quoi. Donc c'est pour vous dire que, en fait, vous avez quasiment pas besoin d'informations, vous avez juste besoin de sentir que la personne, elle existe et qu'elle est en vie, et en fait, en envoyant votre énergie envers le peu d'interaction que vous avez eu avec, et bien d'un seul coup vous avez accès à tout parce que vous élargissez. C'est comme si vous étiez la personne en fait, vous connectez à la personne, vous êtes la personne, vous êtes tout ce que vous avez envie d'être. Et du coup, lorsque vous considérez que vous n'avez pas de limite et que vous existez bien au-delà de votre corps physique, vous avez accès à toutes les informations. Moi, c'est comme ça que je lis des auras, d'accord? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si ça n'est pas, ben n'hésitez pas à venir faire mes ateliers pour vous exercer avec moi, et mon souhait c'est vraiment que tout le monde puisse le faire et que tout le monde devienne autonome là-dessus pour mieux gérer son énergie, se sentir bien et bah, tout simplement avoir accès à tous nos pouvoirs qui sont incommensurables. Voilà.